dans les versets 10 jusqu'au verset 20. Del versículo 10 al versículo 20. Alléluia. Ainsi nous dit la parole de Dieu. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. No suceda que comas y te sacies y que edifiques buenas casas en que habites. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur? Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis entendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous adorons ton saint nom et nous te louons. Et nous voulons te remercier pour tous les dons de ta grâce. Et comme Jacob, Seigneur, moi je puis dire, Seigneur, je suis trop petite pour tous les dons que tu m'accordes. Seigneur, merci pour la parole que tu vas nous donner ce matin. Qu'elle retentisse au plus profond de nos cœurs. Qu'elle soit comme une alarme pour nous, afin que lorsque la tentation viendra, cette parole s'interpose entre l'ennemi et nous et qu'elle nous donne la victoire pour faire ta volonté. Seigneur, bénis ces instants. Multiplie tes grâces sur nos vies. Accorde-nous encore une mesure de miséricorde et aide-nous à faire ta volonté. Que les dons de ton esprit soient en action librement ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, gloire à Dieu. Puede tomar asiento. Le titre de notre message ce matin, el título de nuestro mensaje esta mañana, c'est Bénédiction, attention. Es bendición, ten cuidado. Cela fait déjà plusieurs semaines que le Seigneur me tient avec ce message. Hace ya varias semanas que el Señor tiene este mensaje en mi mente. Frères et sœurs, hermanos, hermanas, combien ici ¿cuántos de ustedes veulent être bénis par Dieu? Quieren ser bendecidos por Dios. Alléluia.
Je pourrais lever mes pieds en même temps si je pouvais. Amen. Yo levantaría hasta mis pies si yo pudiera. Je veux être béni yo par quiero Dios. Ser bendecida por Dios. Tout ce que Dieu donne est bon. Todo lo que Dios da es bueno. Amen. Mais ce matin, le Seigneur va nous parler. Pero esta mañana quiero hablarnos. C'est comme une petite lumière qui clignote dans la nuit. Como una pequeña luz que está brillando en la noche. Vous savez, quand on conduit... Cuando conducimos, moi, je suis habitué à faire des longs voyages. Estoy acostumbrado a hacer largos viajes. Parfois en pleine nuit. A veces en la noche. On est fatigué. Estamos cansados. On a déjà 6, 8 heures, 10 heures de voyage dans le dos. Tenemos ya 6, 8, hasta 10 horas de viaje. Et on se trouve en pleine campagne. Y estamos en medio del campo. Avec des routes qui ne sont pas larges. Con carreteras que no son grandes o espaciosas. Amen, exacto. Amen. Et tout à coup, il y a quelque chose qui nous réveille. Y pasa algo que nos despierta. Il y a une lumière qui clignote. Hay una luz que titila. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'il y a un virage dangereux. Porque hay una vuelta peligrosa. Alors il faut baisser la vitesse. Entonces hay que bajar la velocidad. Et il faut être bien réveillé. Y hay que estar bien despierto. La lumière clignote. Y la luz está ahí titilando. Elle nous avertit du danger. Y está advirtiéndonos el del peligro. Attention. Peligro. Danger. Peligro. Et ce matin, la parole de Dieu te dit. La mañana la palabra de Dios te dice. Attention, danger. Cuidado, peligro. Je ne suis pas en train de prophétiser que tu vas devenir riche. No estoy profetizando que vas a volverte rico. Mon frère me disait toujours, Mylène. Mi hermano siempre me decía, Mylène. Il ne faut pas se moquer des riches. No hay que burlarse de los ricos. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on deviendra. Porque no sabremos lo que un día seremos. Alléluia. Plaise à Dieu que vous deveniez riche. Que a Dios le agrade que usted se vuelva rico. Alors tous vous allez acheter un bulletin au loto? Entonces todo el mundo se va a comprar un billete de lotería. Le Seigneur nous dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. La palabra nos dice que la bendición de Jehová no le sigue ninguna tristeza. Et ce qui ne vient pas de Dieu est voué à la perdition. Y lo que no viene de Dios está preparado para la perdición. Vous savez, on peut se noyer dans 10 km d'eau de profondeur. Tú se puede ahogar en 10 kilómetros de profundidad. Ou bien dans 10 cm d'eau. O en 10 centímetros de agua. Amen. Quelqu'un peut être avare en étant milliardaire. Alguien puede ser avaro siendo millonario. Ou quelqu'un peut être avare en ayant simplement le RSA. O alguien puede ser avaro teniendo simplemente el salario mínimo. Amén. Aleluya. Je me demandais comment il allait traduire. Hein. Aleluya. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as dans ton porte-monnaie. Lo que cuenta no es lo que tienes en la cartera. Ou sur ton compte en banque. O en tu cuenta bancaria. Ce qui compte, c'est l'état de ton cœur. Lo que cuenta es el estado de tu corazón. Et le Seigneur nous dit ce matin. Y el Señor nos dice esta mañana. Bénédiction, attention. Bendición, ten cuidado. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que Dieu donne est bon. Lo que Dios da es bueno. Est-ce que vous êtes d'accord? Usted está de acuerdo. Amen. Mais la question c'est qu'est-ce que j'en fais? Pero la pregunta es qué es lo que hago. Regardez bien, on va pas prendre le texte. C'est dans Exode 16, c'est l'histoire de la manne. Mire, no vamos a ir al texto. En Éxodo 16 es la historia del maná. Le peuple crie à Dieu. El pueblo le clama a Dios. Dieu envoie du pain du ciel. Y Dios envía pan del cielo. Amen. Et Moïse dit, y Moisés dice, chaque jour vous sortirez de votre tente pour récolter la manne du Seigneur. Cada día ustedes saldrán de su tienda para recoger la manna. Arrive la manne du ciel. Y llegando que llegue la maná del cielo. Et là-bas, il y avait des Israélites qui ont obéi à ce que Moïse disait. Y ahí había israelitas que obedecían a lo que Moisés les decía. Car Moïse a dit chaque jour vous aurez votre pain. Porque Moisés les dijo cada día tendrán su pan. Et il y en a qui ont désobéi. Y hay algunos que desobedecieron. Et qui ont pris une double portion. Y que tomaron doble porción. Car Moïse avait déterminé la mesure exacte pour chacun. Porque Moisés había determinado la medida exacta para cada uno. Et ils ont amené la double portion dans leur tente. Y llevaron la doble porción a su tienda. Que s'est-il passé? ¿Qué pasó con? Amen.
Et il y a eu des vers qui sont venus et les gusanos dans et c'était infect. Y estaba infectado. Et ils n'ont pas pu en manger. Y no podían comerlo. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la première portion et la double portion. Es decir, que perdieron la primera porción y la segunda. Ensuite, Dieu donne un ordre à Moïse. Enseguida Dios le da una orden a Moisés. Il dit le jour du sabbat. El día del sábado. Vous ne travaillerez pas. No trabajarán. Donc la veille du sabbat. Entonces el día anterior. Vous ramasserez double portion. Van a recoger doble. Alors la veille du sabbat, ils ont pris double portion. Entonces el día anterior al sábado tomaban doble porción. Et que s'est-il passé? Le jour du sabbat. Y el día del sábado. Il n'y avait pas de ver. No había gusano. Qu'est-ce que le Seigneur voulait enseigner à son peuple? ¿Qué le estaba enseñando el Señor a su pueblo? L'obéissance. La obediencia. Et quoi d'autre encore? ¿Y qué más? La confiance. Confianza. Quoi d'autre encore? ¿Qué más? Dans la confiance, j'irai plus loin. En la confianza yo iría más lejos. Je dirais apprendre à dépendre de Dieu. Aprender a depender de Dios. Amen. Apprendre à dépendre de Dieu. Aprender a depender de Dios. Toi et moi, nous sommes nés dans ce monde. Usted y yo nacimos en este mundo. Où il faut se bagarrer. Donc hay que pelear. Pour avoir une place. Para tener un lugar. Amen. Alléluia. Regardez aujourd'hui les étudiants, ils ont travaillé, ils ont eu leur bac. Mire, hoy en día los estudiantes trabajaron, tuvieron su bachillerato. Et ils doivent encore se bagarrer pour s'inscrire à l'université. Y tienen que pelearse para poder se inscribir en la universidad. Ça, c'est les valeurs de ce monde. Esos son los valores de este mundo. Mais le Seigneur dit. Pero el Señor dice. Priez. Orad. Confiez-vous en Dieu. Confiez en el Señor. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Fíjate del Señor de todo tu corazón. Mets en lui ta confiance. Pon en él tu confianza. Et il aplanira tes sentiers. Y él enderezará tus veredas. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons prendre notre texte maintenant dans Deutéronome. Vamos a tomar el texto en Deutéronomio. Alléluia. Deutéronome chapitre 8. Deutéronomio capítulo 8. Et au verset 10. Y en el versículo 10. Alléluia. Pardon, on va prendre le verset 11. Vamos a tomar el versículo 11. Il dit: Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Versículo 10. Si comerás y te saciarás. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Pourquoi Dieu nous dit-il cela? ¿Por qué Dios no dijo eso? Parce que notre tendance. Porque nuestra tendencia. Quand tout va bien. Es que cuando todo va bien. C'est d'oublier Dieu. Es de olvidarnos de Dios. Amen. Combien de chrétiens j'ai vu pleurer. ¿Cuántos cristianos yo he visto llorar? Lorsqu'ils n'ont pas de travail. Cuando no tienen trabajo. Lorsqu'ils sont dans la difficulté. Cuando están en la dificultad. Et ils viennent à l'église. Y vienen a la iglesia. Et ils s'humilient devant Dieu. Y se humillan delante de Dios. Ils viennent au culte de prière. Y vienen al culto a la oración. Pasteur, regardez, j'ai pas de travail. Dice, pastora, mire, no tengo trabajo. Est-ce qu'on peut prier pour moi? Podríamos orar por mí. Et tous ensemble on prie. Y todos juntos oramos. Amen. Et lorsque le chrétien a son travail, y cuando el cristiano tiene su trabajo, sa tendance, su tendencia, c'est d'oublier Dieu. Es olvidarse de Dios. Garde-toi. Cuídate. D'oublier Dieu. De olvidarte de Jehová. Alléluia. Et regardez maintenant, nous allons regarder ensemble les conséquences d'oublier Dieu. Y ahora veamos juntos las consecuencias de olvidar a Dios. Alléluia. La Bible nous dit. Amen, dans ce verset 11. La Biblia nos dice en el versículo 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Quand tu seras en train de manger, cuando estés comiendo, de te rassasier, y te estés saciando, de jouir de la bendición, estés disfrutando la bendición, garde-toi d'oublier ton Dieu, cuídate de no olvidarte de tu Dios, et d'oublier sa parole, y de olvidar su palabra. Amen. L'une des premières conséquences d'oublier Dieu, una de las primeras consecuencias de olvidar a Dios, c'est d'oublier sa parole, es de olvidar su palabra, c'est-à-dire de mépriser sa parole, es decir, de despreciar su palabra, de ne pas mettre en pratique sa parole. Y no poner en práctica su palabra. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Josué, chapitre 1? ¿Qué le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1? Aleluya.
Mange de la parole. Come de la palabra. Médite la nuit et jour. Medite la día y noche. Mets-la en pratique. Ponla en práctica. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes y entreprises. Entonces tendrás éxito en todo lo que te propongas. Amen. C'est-à-dire que quand on a toute la bénédiction que l'on désirait, es decir, cuando tenemos toda la bendición que deseamos, notre tendance naturelle, la tendencia natural, c'est de mettre de côté la parole de Dieu. Es de poner al lado la palabra de Dios. Celui qui méprise la parole de Dieu, y aquel que desprecia la palabra de Dios, il méprise le Dieu de la parole. Desprecia al Dios de la palabra. Amen. Et c'est là que commence en nous cette mentalité. Y ahí comienza en nosotros esta mentalidad. D'autosuficiencia. De autosuficiencia. Mais j'ai plus besoin de prier. Yo no tengo necesidad de orar. Parce que j'ai déjà ce qu'il me faut à la maison. Ya tengo lo que necesito en la casa. J'ai plus besoin de chercher la parole. Ya no tengo necesidad de buscar la palabra. Parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Yo tengo todo lo necesario. Vous avez des chrétiens qui habitent dans les pays en difficulté. Tienen los cristianos que viven en países en dificultades. Et qui sont brûlants pour le Seigneur. Y que están ardiendo por el Señor. Ils arrivent en Europe. Y llegan en Europa. Ils arrivent en France. Llegan a Francia. Amen. Et là, ils commencent à rentrer dans la prospérité matérielle. Entran en la prosperidad material et leur vie spirituelle descend. Y la vida espiritual desciende. Descend. Desciende. Descend. Desciende. Ils n'ont plus besoin de chercher Dieu. Ya no necesitan buscar a Dios. Parce qu'ils ont déjà tout. Porque tienen todo. Vous savez le dollar américain. Se sabe el dólar americano. Et sur lequel il est écrit In God we trust. Está escrito en Dios confiamos. C'est-à-dire nous croyons en Dieu. O nosotros creemos en Dios. Nous nous confions en Dieu. Nos confiamos en Dios. Quelqu'un a dit qu'on devrait changer cette devise. Alguien dijo que debíamos que se había cambiar ese lema. Sur les billets de banque. En los billetes del banco. Et qu'on devrait marquer In this God we trust. Y se debería escribir en este Dios confiamos. Dans ce Dieu-là, le Dieu de l'argent, nous croyons. En este Dios, el Dios del dinero, creo. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il y a si peu de miracles en Europe. Porque esa es la razón por la que hay pocos milagros en Europa. Parfois je dis mais je comprends pas. Y a veces digo yo no entiendo. C'est quoi ces miracles qui arrivent au Pérou? ¿Qué pasa ese milagro en Perú? Et ces miracles là-bas, tel pays. Y ese milagro en este otro país y este otro país. N'est-ce pas le même Dieu qui est là-bas et qui est ici? ¿No es el mismo Dios que está allá y que está aquí? Oui, c'est le même sí, Dieu. Sí, es el mismo Dios. Mais ce n'est pas le même cœur des chrétiens. Pero no es el mismo corazón de cristianos. Alléluia. Notre tendance quand nous avons tout ce qu'il nous faut. La tendencia es cuando tenemos todo lo que nos hace falta. C'est d'oublier Dieu. Es de olvidarnos de Dios. Et d'oublier sa parole. Y olvidar su palabra. Regardons un peu plus loin. Miren un poco más lejos. Verset 14. Versículo 14. Prends garde. Cuidado. Amen. Que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Cuidado y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Cuídate que no te enorgullezcas. Le fait d'oublier Dieu, el hecho de olvidar a Dios, nous conduit dans une autre tendance. Nos conduce a otra tendencia. Le cœur orgueilleux. El corazón orgulloso. Amén. Aleluya. Mon frère, ma sœur. Hermano, hermana. L'orgueil est le premier péché dans l'histoire de l'univers. El orgullo es el primer pecado en la historia del universo. Et l'auteur de ce péché, c'est Satan lui-même. El autor de ese pecado es Satanás mismo. Peut-être que tu as une belle voiture. Tal vez tienes un bonito auto. Mais gloire à Dieu. Pero gloria a Dios. Peut-être que tu as une belle maison. Tal vez tienes una casa bonita. Mais gloire à Dieu. Gloria a Dios. Peut-être que tes enfants sont docteurs honoris causa. Y tal vez tus hijos son doctores honoris causa, c'est-à-dire le plus élevé grade de doctorat. Okay, él tiene el más grado alto de doctorado. Amen. Alléluia. Peut-être que ton fils est le président de la République française. Tal vez tu hijo es el presidente de la República Francesa. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Et alors? Y luego? Amen. Alléluia. Peut-être que tu as épousé la plus belle femme du monde, n'est-ce pas, frère Benjamin? Y tal vez tú te casaste con la mujer más bonita del mundo, ¿no es así, hermano Benjamín? Et alors? Y luego. Amen. Et alors? Alléluia.
Lorsque le cœur de l'homme commence à s'élever, cuando el corazón del hombre comienza a levantarse, il est en train de s'éloigner de Dieu. Está alejándose de Dios. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'orgueil nous éloigne de Dieu. El orgullo nos aleja de Dios. Alléluia. Regardez encore ce verset 14. Mire el versículo 14 todavía. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ça commence par oublier d'où Dieu t'a fait sortir. Eso comienza por olvidar de dónde te ha sacado Dios. Amén. Aleluya. Vous savez, quand l'un de mes fils est devenu ingénieur, cuando uno de mis hijos se volvió ingeniero, je lui ai dit, le dije, Mateo, n'oublie jamais. No olvides nunca. À quelle famille tu appartiens? A qué familia perteneces? N'oublie jamais que tes deux grands-pères. No olvides que tus dos abuelos. Étaient de simples ouvriers. Eran simples obreros. Amen. Ne l'oublie jamais. Nunca lo olvides. Amen. Jamais. Alléluia. Frères et sœurs, le jour où on oublie d'où Dieu nous a sortis. Hermano, hermana, el día que olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Nous sommes en train de tourner le dos à Dieu. Estamos dándole la espalda a Dios. Et de nous croire autosuffisants. Y de creernos autosuficientes. Regardez ce que Dieu dit. Mire lo que Dios dice. N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. No te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. L'Égypte dans la Bible représente le monde. Egipto en la Biblia representa el mundo. N'oublie pas que ton Dieu t'a fait sortir du monde. No olvides que tu Dios te ha sacado del mundo. Et Dieu insiste encore, et de la maison de servitude. Y insiste todavía, de casa de servidumbre. C'est-à-dire, n'oublie pas que tu étais esclave en Égypte. Si, no olvides que eras esclavo en Egipto. N'oublie pas d'où Dieu t'a sorti. No olvides de dónde Dios te ha sacado. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui tu as acquis quelque chose. Tal vez hoy en día has logrado algo, has adquirido algo. Une position sociale. Una posición social. Une aisance matérielle. O algo material. Ou une réussite familiale. O un logro familiar. Ou une réussite professionnelle. O un logro profesional. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Mais n'oublie pas d'où Dieu t'a sorti. Pero no olvides de dónde Dios te ha sacado. N'oublie pas qu'avant tu étais esclave en Égypte. No olvides que antes eras esclavo en Egipto. Que tu étais esclave de ce monde. Eras esclavo de este mundo. Le diable te traînait dans sa porcherie. El mundo el diablo te arrastraba en su cochinero. Amen, il faisait de toi ce qu'il voulait. Y hacía de ti lo que él quería. Rappelle-toi comment tu pleurais. Acuérdate cómo llorabas. Rappelle-toi comment tu souffrais. Cómo sufrías. Quand tu étais dans le monde. Cuando estabas en el mundo. N'oublie pas. No lo olvides. Amen. Tu étais esclave de Satan. Eras esclavo de Satanás. Alléluia. J'aime ce psaume qui dit d'autres maîtres ont dominé sur nous. Me encanta ese salmo que dice otros señores han dominado sobre nosotros. Amos. Amos. Alléluia. N'oublie pas ce que Satan t'a fait. No olvides lo que Dios Satanás te ha hecho. Ce que Satan, comment il agit dans ta vie pour te détruire? Cómo él actúa en tu vida para destruirte. Pour te corrompre, para te corromperte, souiller. Para ensuciarte. Amen, tu étais esclave. Eras esclavo. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Regardez ensuite le verset 15. Mira el versículo 15. N'oublie pas l'Éternel qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Ça, c'est le désert de ce monde. Es el desierto de ese mundo. Dans ce monde. En ese mundo. Amen. Il n'y a pas de vraie paix. No hay verdadera paz. Il n'y a pas de véritable amour. No hay verdadero amor. Il n'y a pas de véritable joie. No hay verdadera alegría. Ce monde est un désert. Este mundo es un desierto. Un désert de solitude. Un desierto de soledad. Un désert de souffrance. Un desierto de sufrimiento. Amen. Dans ce monde, en este mundo, l'âme humaine, el alma humana, a soif de vie, tiene sed de vida, a soif d'amour, tiene sed de amor. Amen.
Dans ce monde, l'âme humaine a soif de vrai bonheur. En este mundo, el alma humana tiene sed de verdadera felicidad. Amen. Ce monde a besoin de véritable paix. Este mundo necesita verdadera paz. Amen. Le désert de ce monde. El desierto de este mundo. Alléluia. Et regardez, il continue, où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Y dice donde hay serpientes ardientes y de escorpiones. Dans les lieux arides et sans eau. En el agua donde y de sed donde no había agua. Alléluia. La Bible nous dit. La Biblia nos dice. Dans Nombre 21. En Números 21. Que il y a eu un esprit de... On va le prendre. Vamos a leerlo. Nombre 21. Números 21. Alléluia. Un esprit de convoitise. Un espíritu de codicia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Regardez bien. Nombre 21, verset 4. Versículo 4, del capítulo 21. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Después partieron del monte de Hor camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Combien de fois toi et moi nous nous impatientons? ¿Cuántas veces usted y yo nos desanimamos? Perdemos paciencia. Parce que nous voulons. Amén. Et il parla contre Dieu et contre Moïse. Y habló con el pueblo contra Dios y contra Moisés. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua. Voilà un peuple qui regarde par la vue. Mire, un pueblo que mira a través de los ojos. Mais qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Pero qué Dios les dijo en su palabra. Mon juste vivra par la foi. La palabra dice, el justo vivirá por la fe. On dirait que nous, parce que nous sommes chrétiens, on doit plus jamais avoir d'épreuves. Yo diría que pareciera que nosotros, porque somos cristianos, ya no tendríamos que tener problemas, qu'on pruebas. Qu'on ne plus jamais éprouver des nécessités. Ya no tendríamos que pasar necesidad. Paul disait, je sais vivre dans l'abondance comme dans le besoin. Y Pablo decía, yo sé vivir en la abundancia y en la necesidad. Et tout ce que Dieu donne est bon. Todo lo que Dios les da es bueno. S'il te donne de l'abondance. Si te da la abundancia. Bénis l'Éternel. Bendice al Señor. Si tu es dans le besoin. Y si estás en la necesidad. Bénis l'Éternel. Bendice al Señor. Habacuc decía. Même si je ne vois plus de figues dans le figuier. Aun si no veo higos en la higuera. Même si je ne vois plus de raisins dans la vigne. Y si ya no hay uvas en la viña. Mon âme bénira l'Éternel. Mi alma bendecirá a Jehová. Amen. Mais là nous voyons un peuple qui s'impatiente. Y aquí vemos a un pueblo que pierde paciencia. Qui murmure contre Dieu. Que murmura contra Dios. Qui murmure contre le serviteur de Dieu. Y murmura contra el siervo del Señor. Et qui n'a que des paroles négatives. Y solo tiene palabras negativas. Et qui appuie sa vie sur des choses qu'il voit. Y apoya su vida sobre las cosas que ve. Et le pire vient après. Y lo peor viene después. Et il dit, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. De quelle nourriture parle-t-il? ¿De qué pan estaba hablando? De la manne. Del maná. Le pain du ciel. El pan del cielo. Une misérable nourriture. Una miserable comida. Comment est-ce possible, frères et sœurs? ¿Cómo es posible? Et la Bible nous dit verset 6. Y la Biblia nos dice en el versículo 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils moururent beaucoup de gens en Israël. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Amen. Le peuple vint à Moïse en disant, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Ruega a Jehová porque quite de nosotros estas serpientes. Moïse pria pour le peuple. Y Moisés oró por el pueblo. Amen. Et nous savons que Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent d'airain. Y sabemos que Dios le dice a Moisés que se fabrique una serpiente de bronce. De le mettre sur un grand bâton. Y ponerle sobre un gran palo. Bien élevé pour que tout le monde puisse le voir. Que esté bien elevada, bien alta para que todo el mundo pueda verla. Et quiconque regardait le serpent d'airain. Y cualquiera que veía la serpiente de bronce.
était libéré des serpents. Era liberado de la serpiente. Amen. Et ceci nous parle de Jésus. Y eso nos habla de Jesús. Qui a été élevé sur la croix. Que fue levantado en la cruz. Qui a pris sur lui tous nos péchés. Que tomó sobre él todos nuestros pecados. Amen. Car le serpent représente le mal. Porque la serpiente representa el mal. Et quiconque regarde à Jésus. Y cualquiera que mira a Jesús. Est libéré de l'ennemi. Es liberado del enemigo. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. No podemos olvidar lo que Dios hace por nosotros. Nous ne pouvons pas oublier ce que Jésus a fait pour nous. No podemos olvidar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Et ces serpents brûlants qui errent dans le désert. Y esa serpiente ardiente que está en el desierto. Amen. Nous parle de démons, des ténèbres qui sont là pour nous détruire. Nos habla de los demonios de tinieblas que están ahí para destruirnos. Un regard vers Jésus. Una mirada hacia Jesús. Et Christ nous délivre de ces serpents. Cristo nos libera de esas serpientes. Amen. Alléluia. Dans les lieux arides et sans eau. En el lugar donde es sed y no hay agua. Amen. Deutéronome 8:15. Et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Alléluia. Ils étaient dans le désert. Estaban en el desierto. Ils avaient faim. Tenían hambre. Dieu leur donnait le pain du ciel. Dios les daba el pan del cielo. Jésus dira, je suis le pain du ciel. Jesús dijo, yo soy el pan del cielo. Je suis le vrai pain du ciel. Soy el verdadero pan del cielo. Celui qui mangera de ce pain. Cualquiera que coma de este pan. N'aura plus jamais faim. No tendrá más hambre. Ils étaient dans le désert. Estaban en el desierto. En proie aux morsures des serpents. Como para hacer presas de serpientes. Amen. Et Jésus dira plus tard. Y Jesús dice más tarde. De même que Moïse a élevé le serpent. De la misma manera que Moisés levantó la serpiente. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils étaient dans le désert. Estaban en el desierto. Ils avaient soif. Tenían sed. Et Dieu a conduit Moïse vers un rocher. Y Dios conduce a Moisés hacia una roca. Et il lui a dit, Alléluia, parle au rocher. Y él dice, háblale a la roca. Et le rocher s'ouvrira. Y la roca va a abrirse. Et il laissera jaillir des eaux vives. Y van a salir aguas vivas. Pour désaltérer ceux qui ont soif. Para calmar la sed de los sedientos. Et le prophète, Alléluia, nous dit que ce rocher, c'est Christ. Y los profetas nos dicen que esa roca es Cristo. Ce rocher les suivait dans le désert. Esa roca los seguía en el desierto. Alléluia. Jésus a dit, quiconque a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jesucristo dijo, cualquiera que tenga sed, venid a mí y que beba. Et des eaux vives jailliront de son sein. Y fuentes de agua viva saldrán dentro de él. Lorsque le centenier, amen, est venu avec une épée devant le crucifié. Cuando el centurión viene con una espada ante el crucificado. Il a percé son côté droit. Y atraviesa el costado derecho. Et du côté droit de Jésus. Y del lado derecho de Jesús. Est sorti de l'eau. Salió agua. Alléluia. N'oublie pas ce que Christ a fait pour toi. No olvides lo que Cristo hizo por ti. Oh, alléluia, dans ce monde. En este mundo. Christ s'est donné pour toi. Jesucristo se entregó por ti. Il a donné son corps pour qu'il soit brisé pour toi. Dio su cuerpo para que sea quebrantado por ti. Il a donné son sang pour toi. Dio su sangre por ti. Son côté a été percé pour toi. Su costado fue atravesado. N'oublie pas cela. No olvides eso. Quand tu manges et te rassasies. Cuando tú comas y te sacies. Lorsque tu es assis sur la bénédiction. Cuando estés sentado en la bendición. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. No olvides lo que Dios ha hecho por ti. Alléluia. Verset 16. Versículo 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. Que te sustentó con maná en el desierto. Ce pain du ciel. Pan del cielo. Que Dieu a fait descendre sur la terre. Que Dios hizo descender sobre la tierra. Pour nourrir ton âme. Para alimentar tu alma. Tu dis non mais moi c'est bon, j'ouvre le frigo, il y a un gigot d'agneau, il y a du rôti de porc, il y a tout ce qu'il faut. No, pero a mí no hay problema, yo abro el refrigerador y hay carne de cordero y hay carne de res y todo lo necesario. L'homme ne vivra pas de pain seulement. No solamente de pan vivirá el hombre. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vous savez, l'œuvre de la digestion, elle dure à peu près 24 heures. La obra de la digestión dura más o menos 24 horas.
Et après, comme dit Jésus, ça s'en va dans les lieux secrets. Y como dice Jesucristo, bueno, después eso se va en los lugares secretos. C'est tout. Es todo. Rien de plus. Nada más. Et ce corps que tu nourris, y ese cuerpo que alimentas, il vieillit. Envejece. Tous les ans, je vous vois vieillir. Todos los años yo los veo envejecer. Ah, je ne le dis pas parce que je suis poli. Yo no digo nada porque soy bien educada. Sur certains, j'ai même vu des cheveux blancs. Sobre algunos ya he visto incluso cabellos blancos. Et sur d'autres, j'ai même vu qu'ils n'ont plus de cheveux. Y algunos he visto que ya no tienen cabello. Je dis rien. Pero no digo nada. Mais je n'en pense pas. Pero lo veo. Alléluia. Vous pouvez penser la même chose de moi. Usted puede pensar lo mismo de mí. C'est bien d'alimenter le corps. Es bueno alimentar el cuerpo. Es necesario. Mais Isaïe dit en Isaïe 55. Pero Isaías dice en Isaías 55. Pourquoi travaillez-vous pour la nourriture qui périt? ¿Por qué trabajáis por la comida que se pierde? Bien sûr qu'il faut travailler. Por supuesto hay que trabajar. Car Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pablo dice que el que no trabaje que no coma. Mais moi je te dis, il faut travailler pour vivre. Pero yo te digo, hay que trabajar para vivir. Mais ne faut pas vivre pour travailler. Pero no vivas para trabajar. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Il t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Dieu dit en Ésaïe 45. Dios dice en Isaías 45. C'est moi qui crée la prospérité et l'adversité. Soy yo quien crea la prosperidad y la adversidad. Amen. Dieu est le Dieu de la prospérité. Dios es el Dios de la prosperidad. Mais il permet aussi l'adversité. Pero también permite la adversidad. Amen. Regardez bien. Afin de t'humilier. Para afligirte. Et de t'éprouver. Y probarte. Nous, on voudrait que le jour où on devient chrétien. Quisiéramos que el día que nos vemos cristianos. Dieu nous installe sur un tapis rose volant. Dios nos ponga sobre una tapete rosa que vuela. Un tapis à bulles. Un tapete que tenga bolas. Amen. Bien confortable. Ah, bien confortable. Avec reconnaissance de la forme. Comment dire ces oreillers là? Ah, que guarda la forma. Amen. Alléluia. Avec une belle musique. Con una bella música. Et là, on va au-dessus de l'adversité. Ahí vamos encima de la adversidad. Amen. Comme Aladdin. Como Aladdin. Alléluia. Non? Non, hermano. Dieu a prévu que tu marches dans le désert de ce monde. Dios ha previsto que camines en el desierto de este mundo. Où il y a des serpents et des scorpions. Donde hay serpientes y escorpiones. Où il y a le manque d'eau. Donde hay falta, donde falta agua. Où il y a le manque de pain. Donde falta pan. Pourquoi Dieu le permet-il dans ta vie? ¿Por qué Dios lo permite en tu vida? Pourquoi le permet-il dans ta vie? ¿Por qué lo permite en tu vida? Afin de t'humilier et de t'éprouver. Para afligirte. Para afligirte y probarte. Amen. Parce que Dieu sait. Porque Dios sabe. Que s'il ne permet pas l'épreuve à nos vies. Si no permite la prueba en tu vida. Nous allons l'oublier. Vamos a olvidarlo. Et si on oublie Dieu. Y si lo olvidamos a Dios. On n'entre pas au ciel. No entramos al cielo. Amen. C'est souvent au cours de l'épreuve. Es muchas veces a lo largo de la prueba. Que le chrétien s'humilie. Que el cristiano se humilla. Que le chrétien se brise. Que el cristiano se quebranta. Qu'il prie. Ora, qu'il pleure, llora, qu'il cherche la face de Dieu. Busca el rostro del Señor. Amen. Voilà pourquoi Dieu permet l'épreuve dans ta vie. Es por lo que Dios permite la prueba en tu vida. Alléluia. Hébreux chapitre 12 verset 11. Hebreos 12, 11. Mi alma te alaba, Señor. Alléluia. Hébreux 12, 11. Hebreos 12, 11. Alléluia. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dans cette version française, il dit châtiment. En la versión francesa dice castigo. Amen. Mais l'original dit discipline. Pero el original dice disciplina. Et pourquoi Dieu nous discipline-t-il? ¿Y por qué Dios nos disciplina? À travers les épreuves. A través de las pruebas. Afin ensuite de nous enrichir. Para después, en lo que sigue,
enriquecernos. Amén. Je ne parle pas seulement de monnaie. Yo no estoy hablando únicamente de dinero. Amén. Je parle de nous enrichir dans notre vie spirituelle. Yo estoy hablando de enriquecernos en nuestra vida espiritual. Regardez les disciples qui sont dans la barque. Miren los discípulos que están en el barco. Aleluya. En la barca. Dieu permet la tempête. Dios permitió la tempestad. Jésus se lève. Y Jesús se levanta. Et dit au vent, tais-toi. Y le dice al viento, silencio. Tout de suite le calme vient sur la barque. Y la calma se hace. Sur la barque et sur la mer. En la barca y en el mar. Et Pierre se jette aux pieds du Seigneur. Pedro se lanza a los pies del Señor. Il n'avait jamais connu le Seigneur comme ça. Él nunca había conocido al Señor así. Il n'avait jamais découvert que Jésus pouvait faire calmer la tempête. No había descubierto que Jesucristo podía cambiar la tempestad. Ce jour-là, la tempestad. Pierre a grandi dans sa connaissance de Jésus. Ese día Pedro creció en el conocimiento de Jesús. C'est dans la mesure où tu passes par des combats, des difficultés. Es en la medida en la que pasas por combates. Y dificultades. Que Dieu attire ton cœur à lui. Que Dios atrae su corazón a ti. Pour que tu le connaisses davantage. Para que lo conozcas más. Que tu expérimentes des choses que tu n'aurais jamais connues. Para que experimentes cosas que jamás habrías conocido. Amen. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul dit. En la segunda epístola a los Corintios, Pablo dice. Que Dieu a permis qu'il traverse de grandes souffrances. Que Dios permitió que él atravesara grandes sufrimientos. De telles souffrances. Tales sufrimientos. Qu'il pensait ne jamais s'en sortir. Que él pensó que jamás saldría. Il fait référence à Éphèse. Está haciendo referencia Amen. A Éfeso. Et dit mais Dieu a permis cette souffrance. Y dice Dios permitió ese sufrimiento. Afin qu'ensuite nous soyons capables de consoler ceux qui souffrent. Dijo para que luego después nosotros seamos capaces de consolar a los que sufren. Regardons 1 Pierre chapitre 1. Mire, primera de Pedro capítulo 1. Versets 6 au 7. Del versículo 6 al 7. Alléluia. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, pour un peu de temps. En lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que es para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es que Pierre est en train de montrer ici? ¿Qué está mostrando Pedro aquí? Que quand Dieu, comment dirais-je, quand Dieu prépare l'épreuve, que cuando Dios prepara la prueba, quand Dieu permet l'épreuve. Cuando Dios permite la prueba. C'est parce qu'il a un plan. Porque tiene un plan. Et quel est ce plan? ¿Y cuál es ese plan? Purifier ta foi. Purificar tu fe. Purifier ma foi. Purificar mi fe. Pour que toi et moi nous puissions grandir en Jésus-Christ. Para que usted y yo podamos crecer en Jesucristo. Amen. Vous savez quand Israël est sorti d'Égypte. Cuando Israel salió de Egipto. Il aurait pu atteindre le pays promis. Pudo haber llegado a la tierra prometida. En quelques 6 mois. En algunos 6 meses. Et finalement, il a mis 2 ans et demi. Y finalmente le tomó 2 años y medio. 2 ans et demi. 2 años y medio. Alors qu'il aurait pu l'atteindre en 6 mois. Mientras que pudo haberlo hecho en 6 meses. Amen. Et lorsqu'il arrive devant les limites du pays de Canaan. Y cuando llega a los límites del país de Canaán. Israel est incrédule. Israel era incrédulo. Alors Dieu dit bon, on va retourner en arrière maintenant. Dice el Señor, bueno, vamos a regresarnos. Et Israël a dû passer 40 ans à tourner dans le désert. Y Israel pasó 40 años a dar vueltas en el desierto. D'un côté 6 mois. De un lado eran 6 meses. Et de l'autre côté 40 ans. Y de otro lado fueron 40 Pourquoi? Años. Por qué? À cause de notre cœur. Debido a nuestro cuerpo, a nuestro corazón. Parfois Dieu doit nous faire errer dans le désert. A veces Dios tiene que hacernos errar en el desierto. Parfois Dieu doit nous faire retourner. Y tiene que Dios tiene que hacernos dar vueltas y vueltas y vueltas. Dans des chemins de souffrance. En el camino de sufrimiento. À cause de la dureté de notre debido cœur. A la dureza del corazón. Amen. Alléluia. Regardez, verset 17. Mire, versículo 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses.
Deuteronomio 8. Y digas en tu corazón, Deuteronomio, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Lorsque tu arrives à la bénédiction, cuando llegas a la bendición, garde-toi de dire, cuídate de decir, ça c'est moi. Ese fui yo. C'est moi et rien que moi. Soy yo y solamente yo. C'est la force de ma main. Es la fuerza de mi mano. Alléluia. Regardons l'un de ces orgueilleux. Mire uno de esos orgullosos. Daniel chapitre 4 verset 30. Daniel capítulo 4. Le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Daniel capítulo 4 versículo 30. Amén. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Babylone était l'une des sept merveilles du monde. Babilonia era una de las siete maravillas del mundo. C'était la civilisation la plus avancée de son époque. Era la civilización más avanzada de su época. Amén. Et Nebuchadnezzar regardait cela. Y Nabucodonosor miraba eso. Et il l'appelait Babylone la grande. Y decía Babilonia la grande. Amen. Quand tu te crois grand. Cuando te creas grande. Quand tu crois que tu as fait des grandes cuando choses. Cuando creas que has hecho grandes cosas. Par la force de tes mains. Por la fuerza de tus manos. Et pour la gloire de ta magnificence. Y para la gloria de tu majestad. Prends garde. Ten cuidado. Parce que tu vas bientôt tomber. Porque pronto vas a caer. Amen. Tu vas bientôt tomber. Vas a caer muy pronto. Un jour, un ado. Un día un adolescente. Il était à l'école avec je crois que c'était l'école des gladiateurs. Estaba en una escuela, creo que era la escuela de gladiadores. Amen. Et un vieillard lui donne un petit papier. Y un anciano le da un papel. Et il lui donne un petit papier sur lequel était écrit quelque chose. Le da un papel en el cual estaba escrito algo. Et quand cet adolescent est sorti de l'école. Y cuando este adolescente sale de la escuela. Le vieillard lui a dit: garde ce petit papier avec toi toute ta vie. Le dice el anciano, guarda ese papel toda tu vida. Ça t'aidera dans les pires moments. Te va a ayudarte en los peores momentos. De ta vie. De tu vida. Amen. Et ce jeune adolescent est parti dans la vie. Y ese joven adolescente salió a la vida. Et il avait ce petit papier. Tenía ese papel. Amen. Et puis il est passé par une épreuve terrible. Y pasó por una prueba terrible. Alors il s'est dit: c'est le jour où je dois regarder le petit papier. Y dijo: es el día que tengo que mirar el pequeño papel. Alors il a sorti le petit papier. Sacó el papel. Et c'était marqué dessus: ceci passera. Y estaba escrito ahí: esto pasará. Ah, quelle consolation. Qué consuelo. Il a mis toute cette confiance dans cette parole. Puso toda su confianza en esa palabra. Il a dit: je vais livrer toutes mes forces pour vaincre cette épreuve. Dijo: voy a dar todas mis fuerzas para vencer a esta prueba. Parce que ceci passera. Porque esto pasará. Et après ça ira mieux. Y después irá mejor. Et puis ce jeune adulte, il a vaincu son épreuve. Y enseguida ese joven adulto venció su prueba. Il est devenu un gladiateur célèbre. Y se volvió un gladiador célebre. Et un jour qu'il était dans une grande avenue de Rome. Y un día en el que estaba en una gran avenida de Roma. Il était sur son char. Estaba en su carro. Et puis la foule était en train de l'aduler, louer. Y la multitud lo estaba alabando. Amen. Et tout à coup, dans la foule, il a reconnu le vieillard. Y entonces vio en la multitud, reconoció al anciano. Et le vieillard lui faisait signe. Y el anciano le hacía un signo. Et quand le char est passé près du vieillard. Y cuando el carro pasó cerca del anciano. Le vieillard lui a dit: le petit papier, le petit papier. El anciano le dijo: el papel, el papel. Et le gladiateur a sorti le petit papier. Y el gladiador sacó el pequeño papel. Et sur le petit papier, il est écrit. Y el papel estaba escrito: ceci passera. Esto pasará. Amen. Alléluia. Tu peux amonceler toute la gloire de ce monde. Puedes juntar o a reunir toda la gloria de este mundo. Tout l'argent de ce monde. Todo el dinero de este mundo. Rien de cela tu ne pourras emmener en éternité. Nada de eso te vas a poder llevar a la eternidad. Rien de cela. Nada. Ni tes possessions, ni tus posesiones, ni tes diplômes, ni tus diplomas, ni tes réussites, ni tus logros. Rien de ce monde ne pourra entrer dans l'éternité. Nada de ese mundo va a entrar en la eternidad. Amen. Alléluia.
Béni soit l'Éternel. Bendito es el Señor. Le proverbe 11, 28 dit « Celui qui se confie dans ses richesses Proverbios tombera. » Proverbios 11, 21 dice que aquel que se confie en sus riquezas caerá. Amen. Alléluia. Regardez maintenant, verset 19. Versículo 19 de Deutéronomio. Amen. Deutéronome 8, 19. « Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » Versículo, capítulo 8, versículo 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Regardez bien l'évolution. Mire bien la evolución. Premièrement, on sí. oublie Dieu. Primeramente se olvida uno de Dios. Ensuite, la personne ne se soucie plus de la parole de Dieu. Enseguida la persona ya no se preocupa de la palabra de Dios. Le cœur devient orgulleux. El corazón se vuelve orgulloso. Et finalement elle commence à servir d'autres y dieux. Y finalmente comienza a servir a otros Les dioses. Les dieux de ce monde. A los dioses de este mundo. Dieu dit, nul ne peut, Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Jesucristo nos dijo, nadie puede servir a dos señores a la vez. Soit il sert l'un. O sirve a uno. Et hait l'autre. Y odia al otro. Amen. Alléluia. Soit c'est l'autre et l'un. O es el otro y on ne peut servir Dieu et maman à la fois. No se puede servir a Dios y a las riquezas Amen. Al mismo tiempo. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez bien. Vous servirez d'autres dieux. Dice, y servir a dioses ajenos. Amen. Et là, je vous le déclare formellement aujourd'hui, vous périrez. Yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. C'est-à-dire que le chrétien perd son salut. Dice que el cristiano pierde su salvación. Et regardez bien le verset 20. Mira el versículo 20. Vous périrez comme les nations que l'Éternel a fait périr devant vous parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Vous périrez comme les nations. Ah, de esa manera, ustedes pereceréis como esas naciones. Vous périrez comme les mondains. Pereceréis como los mundanos. Jésus dit toutes ces choses, ce sont les gens du monde qui les cherchent. Jesucristo dijo, todos estos son los gentiles que lo buscan. Amen. Un jour, un jeune homme riche est venu à Jésus. Un día un joven rico vino a Jesús. Il lui a dit, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Y dijo, maestro, rabí, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Et Jésus, lui, il le conduit. Y Jesucristo lo conduce. Amen. Jésus savait bien qui était ce jeune homme. Jesucristo sabía bien quién era ese joven hombre. Amen. Mais il le conduit à réfléchir. Pero lo conduce a reflexionar. Il lui dit, en résumé, il lui dit, applique tout ce que dit la loi. Y le dice, mira, cumple toda la ley. Et le jeune homme dit, mais ça, je le fais depuis tout petit. Y el joven le dice, lo hago desde muy pequeño. Et maintenant, Jésus le conduit là où ça fait mal. Y entonces Jesucristo lo lleva ahí donde hace daño. Parce que parfois, nous, on dit, mais moi, je suis un bon chrétien. Porque a veces decimos, yo soy un buen cristiano. Je ne loupe pas un culte. No falta un culto. Je suis fidèle à l'église. Soy fiel a la iglesia. Dans mes dîmes, dans mes offrandes. En mis diezmos y ofrendas. Je prie Dieu. Yo oro a Dios. Je jeûne Dieu. Yo ayuno. Pardon. Amen. Et le Seigneur place le doigt là où ça fait mal. Y el Señor coloca el dedo ahí donde uno le duele. Et là, Jésus dit à ce jeune. Y el Señor, y Jesús le dice a ese joven. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Ve, va y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Et le jeune homme baisse les yeux. Y el joven baja los ojos. Et s'éloigne de y Jésus. Y se aleja de Jesús. Oh mon frère. Oh mi hermano. Quand Jésus regarde notre cœur. Cuando Jesús mira nuestro corazón. Les profondeurs de la notre cœur. La profundidad del corazón. Il sait là où ça fait mal. Él sabe dónde ahí donde nos hace daño. Il sait où il y a un problème. Él sabe dónde hay un problema. Jésus ailleurs racontera non pas une parabole mais une histoire vraie. En otro lugar Jesucristo cuenta no una parábola, una historia verdadera. Il dit voilà, il y avait un riche paysan. Había un rico paysan, cultivateur, agricultor, voilà, amen, qui avait beaucoup de récoltes. Que tenía mucha cosecha. Et il a passé toute la nuit. Y pasó toda la noche. En se posant la question, mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Y decía, ¿Cómo voy a hacer? Et il était 6 heures du matin, le réveil était presque en train de sonner. Y era 6 de la mañana y el despertador casi suena. Et il dit, ah, ça y est, j'ai trouvé. Y dijo, ah, ya sé cómo voy a hacer. Je vais abattre mes greniers.
voy a tirar mis graneros. Ah, mais je vais en construire de plus grands. Voy a hacer más grandes. Et puis là, je mets toute ma récolte. Y ahí voy a poner toda mi cosecha. Et je dirai à mon âme, rassasie-toi. Y voy a decirle a mi alma, descansa. Amen, repose-toi. Descansa y sáciate. Alléluia. Tu as tout ce qu'il faut pour après la retraite. Tienes todo lo necesario para la para el retiro. Amen. Mais Jésus dit. Pero Jesús dice. Que Dieu lui a dit insensé. Que Jesús le dijo, el Señor le dijo insensato. Cette nuit même ton âme sera redemandée. Esta misma noche tu alma te va a ser demandada. Qu'est-ce que tu peux donner en rapport avec ton âme? ¿Qué vas a poder dar para para rescatar tu alma? Amen. Non, comment dire pour évaluer le prix de ton âme. ¿Qué podrías dar para dar valorizar tu alma? Amen. El valor de tu alma. Aucune richesse ici-bas. Ninguna riqueza aquí abajo. Ne peut se comparer à la valeur de ton âme. No puede compararse al valor de tu alma. ¿A quoi servirait-il de gagner tout l'or de ce monde? ¿De qué serviría ganar todo el oro de este mundo? Si tu perds ton âme. Si pierdes tu alma. Amen. Souvenez-vous des 10 lépreux. Acuérdense de los 10 leprosos. Jésus leur parle. Jesucristo les habla. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Y dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Et en chemin, ils sont guéris. Y en el camino fueron sanados. Ils ont l'immense privilège et bénédiction d'être guéris par Jésus. Tuvieron el inmenso privilegio de ser sanados por Jesús. D'une maladie incurable. De una enfermedad incurable. Un seul revient vers Uno Jésus. Solo regresa hacia Jesús. Et Jésus lui dit, toi, tu es sauvé. Y Jesús le dice, tú eres salvo. Les autres sont partis avec la bénédiction. Le dijo, los otros se fueron con la bendición. Mais sans être sauvés. Pero sin ser salvos. Qu'est-ce qui compte le plus pour ta vie? ¿Qué cuenta más para tu vida? Est-ce ton âme? ¿Es tu alma? Ou les biens de cette terre? O los bienes de este mundo. Ne te trompe pas de valeur. No te equivoques de valor. Rien de ce monde tu ne pourras emmener au ciel. Nada de este mundo vas a llevártelo al cielo. Alléluia. Oh, mon âme te bénit. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. La vida de un hombre no depende de sus bienes, así sea la abundancia. Amen. Fut-il. Ah, fut-il, perdón. La abundancia es vana. Non, on va reprendre. Oui. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vida de un hombre no depende de sus bienes. Même s'il était dans l'abondance. Aún si estuviera en la abundancia. Amen. Alléluia. Ta vie n'a pas de prix ici-bas. Tu vida no tiene precio aquí abajo. Jésus a versé son sang pour ta vie. Jesucristo derramó su sangre por ti. Alléluia. Lorsque le jeune homme est parti. Cuando el joven se fue. Les disciples ont été choqués. Los discípulos se sorprendieron. Ils ont dit, mais alors qui peut être sauvé? Dijeron, entonces, ¿quién va a poder ser salvo? Et Jésus a dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Y Jesucristo dijo, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Que porque un camello pase por el agujero de una aguja. Alors, ils ont dit, mais personne ne peut être sauvé. Entonces dijeron, nadie puede ser. Et Jésus reprend. Y Jesús retoma. Et il dit, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Y le dice, es difícil para los que se confían en las riquezas. D'entrer dans le royaume de Dieu. Entrar en el reino de los cielos. Car la question c'est pas si tu es riche ou si tu ne l'es pas. Porque la cuestión no es si eres rico o no. La question c'est en quoi mets-tu ta confiance. Sino la pregunta es en qué pones tu confianza. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Yo no estoy diciendo que no hay que trabajar. Nous devons être responsables. Hay que ser responsables. Vous connaissez Monsieur Agur? ¿Conoce al señor Agur? Quelqu'un connaît Monsieur Agur ici? ¿Alguno lo conoce? No. Oh là là. Ah bon? Oh là là. Agur, vous le trouvez dans le livre des prophètes. Ah, si. Et quelle fut sa prière? Ah, si, si, si. La prière d'Agur. La oración d'Agur. Seigneur. Seigneur. Ne me laisse pas dans le manque. No me dejes en la necesidad. De peur que je ne m'attaque à ton nom. De para que yo no te maldiga. Mais ne me laisse pas non plus dans l'abondance. Pero no me des tampoco en la no me dejes en la abundancia. De peur que je ne t'oublie. Para que no te olvide. Amen. Ça c'est la prière du sage. Esa es la oración del sabio. Si Dieu veut te bénir. Si Dios quiere bendecirte. Gloire à Dieu. Gloria a Dios.
Si Dieu permet que tu passes par la nécessité. Si Dios permite que pases por la necesidad. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Alors si Dieu te bénit. Pero si Dios te bendice. Matériellement parlant. Materialmente hablando. Il y a une antidote. Hay un antídoto. Pour être libéré. Para ser liberado. De ce danger dont Dieu nous parle ce matin. De ese peligro que el Señor nos habla esta mañana. D'oublier Dieu. De olvidarle, a olvidar a Dios. Je pose une question. Le hago una pregunta. Est-ce que c'est un péché que d'être riche? Es un pecado ser rico. Il y a eu des chrétiens riches. Hubo cristianos ricos. Enfin, des chrétiens, des hommes de Dieu. Bueno, hombres de Dios. Abraham. Abraham. Amen. Job. Job. Amen. Vous voyez quelque part Dieu reprendre Job parce qu'il était riche? Vous voyez alguna parte que Job le réclame à Job. Dios le reclame a Job porque estaba, era rico. Mais Job est passé par une grande épreuve. Pero Job pasó por una gran prueba. Pour apprendre à s'attacher à Dieu et non pas à la bénédiction. Para que se aprendiera a estar cerca de Dios y no a la bendición. À s'attacher. A pegarse a Dios. Amen. Y no a la bendición. Alléluia. Parce que Satan vient devant Dieu. Porque Satanás viene delante de Dios. Et Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui qui soit intègre sur la terre. Y el Señor le dice a Satanás, ¿has considerado mi siervo Job que no hay persona como él que sea íntegro como él? Et Satan dit, attends un peu. Y el Señor le dice, espera. Bien sûr qu'il te sert parce que tu le bénis. Dice, por supuesto que te sirve, lo bendices. Enlève-lui tout ce qu'il a et tu verras. Quítale bien. Todo lo que tienes y vas a ver. Mais Job a démontré à Dieu. Pero Job demostró a Dios. Qu'il s'intéressait à Dieu. Que él se interesaba a Dios. Et non pas aux bénédictions. Y no a las bendiciones. Amen. Alléluia. Alors quels sont quel est cet antidote? Pues, ¿cuál es ese antídoto? Elle est composée de 3 pastilles. Está compuesto de 3 pastillas. C'est un antipoison. Es un antiveneno. Amen. Verset 10. Versículo 10. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Premièrement, c'est reconnaître. Primeramente reconocer. Alléluia. Gloire à Dieu que ce que tu as. Que lo que tú tienes. Que ce que tu es. Que lo que tú eres. Tu le dois à Dieu. Se lo debes a Dios. Mon âme bénit l'Éternel. Alma mía bendice a Jehová. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Y no olvides ninguno de sus bondades. Mon âme bénit l'Éternel. Alma mía bendice a Jehová. C'est lui qui. Es el quien te hace eso. Es el que ha hecho esto. Es el que hace aquello. Aleluya. La deuxième pastille, elle est là. Y la segunda pastilla está ahí. Verset 18. Versículo 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto para que juró a tus padres como en este día. La première pastille, c'est bénir l'Éternel. La primera pastilla es bendecir a Jehová. La deuxième pastille, c'est reconnaître que tout vient de lui. La segunda pastilla es reconocer que todo viene de él. Ce n'est pas ta force. No es tu fuerza. Ce n'est pas ton intelligence. No es tu inteligencia. Ce n'est pas tes talents. No es tu talento. C'est Dieu qui est avec toi. Es Dios quien está contigo. Amen. Et maintenant, nous allons prendre la troisième pastille. Y ahora vamos a ver la tercera pastilla. Pour être délivré de ce venin. Para ser liberado de ese veneno. Amen. Nous allons aller dans 1 Chronique. Vamos a ir a Primera de Crónicas. Alléluia. Chapitre 29. Capítulo 29. Il faudrait lire tout ce chapitre. Habría que leer todo el capítulo. Alors, nous allons lire simplement cette prière de David. Vamos a leer simplemente esta oración de David. 1 Chronique 29. Primera de Crónicas 29, au verset 10. Versículo 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de nos pères Israël.
Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Souviens-toi de bénir Dieu en tout temps. Acuérdate de bendecir a Dios en todo tiempo. Dans les bons moments comme dans les mauvais. En los buenos momentos como en los malos. Amén. Et puis, alors, il faudrait tout lire, nous allons simplement lire le verset 12. Habría que leer todo, pero vamos a ver simplemente el versículo 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Las riquezas y la gloria proceden de ti. C'est toi qui domines sur tout. Y tú dominas sobre todo. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. En tu mano está la fuerza y el poder. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Verset 14. Versículo 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. La troisième pastille de ce médicament antipoison. La tercera pastilla de ese medicamento contra el veneno. C'est apprendre à donner à Dieu. Es aprender a darle a Dios. Chaque fois que tu donnes à Dieu une offrande. Cada vez que das a Dios una ofrenda. Chaque fois que tu donnes à Dieu ta dîme. Cada vez que le das a Dios tu diezmo. Tu es en train de reconnaître. Estás reconociendo. Que ce que tu as. Que lo que tú tienes. Vient de Dieu. Viene de Dios. Amen. Amen. Alléluia. Mon frère, ma sœur. Hermano, hermana. Parfois nous sommes dans les besoins. A veces estamos en la necesidad. Et nous prions Dieu, nous le supplions. Y oramos a Dios y le suplicamos. Et vient la bénédiction. Y viene la bendición. Et nous nous oublions de Dieu. Y olvidamos a Dios. N'oublie pas ce que Dieu a fait avec ta vie. No olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Il y a une image qui toujours est en train de m'encourager, d'illuminer ma vie. Hay una imagen que siempre me ayuda para darme ánimo y que ilumina mi vida. C'est dans Apocalypse chapitre 5. C'est en Apocalypse capítulo 5. Où nous voyons les vieillards. Vemos a los ancianos. Qui représentent l'église. Que representa la iglesia. Qu'est-ce qu'ils font? ¿Qué hacen ellos? Ils comptent des dollars dans leurs mains. Cuentan dólares en sus manos. Qu'est-ce qu'ils font ces ¿Qué vieillards? ¿Qué hacen ellos? Vous qui connaissez, ils adorent Dieu. Et comment ils l'adorent? Adoran a Dios. ¿Y cómo lo adoran? Ils se prosternent, ils s'humilient. Et qu'est-ce qu'ils font encore? Ils jettent leur couronne aux pieds du Seigneur. Ils lancent las coronas a los pies del cordero. Apprends à jeter tes couronnes aux pieds du Seigneur. Aprende a lanzar tu corona a los pies del Señor. Tu as eu une réussite? ¿Has logrado algo? Place-la aux pieds du Seigneur. Colócala delante a los pies del Señor. Tu as eu une bénédiction? ¿Tienes una bendición? Place-la aux pieds du Seigneur. Colócala a los pies del Señor. Seigneur, c'est de ta main que viennent toutes ces bénédictions. Señor, es de tu mano que vienen todas esas bendiciones. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent de toi qui es le Père des lumières. Toda gracia excelente y todo don perfecto viene de ti, Señor, que tú eres el Padre de las luces. Et puisque cela vient de toi, y como eso viene de ti, et que tu me l'as confié, y que tú me lo has confiado, je te l'offre maintenant. Yo te lo ofrezco ahora. Avec ma louange, con mi alabanza, et mon adoration. Y mi adoración. Amen. Nous allons nous lever. Vamos a levantarnos. Et je voudrais ce matin y quisiera esta mañana que l'on dise merci à Dieu. Que le digamos gracias a Dios. Merci pour tout ce qu'il a fait.